Margot, consultante CRM Data. Ludivine, responsable du pôle beauté SemantiWeb. Je m'appelle Geoffrey Fossier et je suis responsable du marketing programmatique. Quentin, chef de projet SEO. Je suis arrivée en 2014, donc ça fait 2 ans. Depuis avril 2015. Ça fait 4 ans que je travaille chez SemantiWeb. Ça va faire un petit peu moins d'un an. Je pilote la stratégie marketing relationnel des marques pour booster leur business. C'est de faire ce qu'on appelle du social media intelligence, c'est-à-dire d'apporter un décodage marketing aux conversations spontanées des internautes sur le web. C'est à la fois de construire des offres pour nos clients notamment acheteurs programmatiques, et également simplifier nos solutions pour l'interne. C'est l'amélioration du référencement naturel des sites qu'on va pouvoir lancer pour les clients. Chez SemantiWeb, on est une entité de Webedia Brand Services. Moi, je fais partie de l'unité Brand Publishing. Alors, je fais partie de Webedia Exchange, qui est en fait la place de marché programmatique de Webedia. On fluidifie et on personnalise le parcours client grâce à la donnée. En fait, on va proposer aux clients de lancer des plateformes de A à Z qui vont être complémentaires à leur site de marque et qui vont leur permettre d'occuper plus de place sur la toile. Je passe voir Agnès qui tient la cafette et là, c'est bonne humeur garantie. C'est de démarcher les clients et de les aider à établir un brief sur un projet d'étude conversationnelle. Étudier les territoires des sites qu'on va lancer pour le client. J'accompagne les marques dans la définition de leur stratégie marketing. Structurer l'offre programmatique de Webedia. Définir une stratégie SEO. Je pilote les projets dans leur déploiement technique et opérationnel. Réfléchir à des solutions vraiment customisées, adaptées à tous les briefs qu'on peut recevoir tous les jours. Je fais l'analyse des statistiques et des performances pour optimiser toutes les actions. Coordonner tous ces projets au centre du pôle beauté SemantiWeb et de manager mes équipes. D'optimiser le site durant toute sa vie pour qu'il occupe les meilleures positions possibles et qu'il génère le plus de trafic possible. C'est de mener à terme une étude conversationnelle et de la restituer au client. Permettre aux marques d'avoir plus de clients, de les fidéliser et du coup d'augmenter leur business. Devenir le réflexe marketing et digital des annonceurs afin de les aider à mieux comprendre leurs consommateurs. Une vraie place de marché intégrée directement chez l'éditeur où on est capable de proposer l'ensemble des solutions programmatiques du marché. D'apporter beaucoup plus de visibilité aux clients que ce qu'il en a actuellement grâce à ces nouveaux sites qu'on va lancer pour lui. Le sens du marketing, la curiosité, une capacité d'analyse. Il faut être patient. La créativité. La pédagogie. Et l'esprit de synthèse. Je suis abonnée à plus de 500 newsletters différentes pour regarder un peu ce qui se fait sur le marché. La diversité des profils et des métiers au sein de Webedia. Ce serait Vachedia qui nous surveille depuis le toit. Je dirais Cédric Siré parce que c'est le fondateur depuis 2007 et qu'il est toujours aux commandes du bateau. L'ambiance de travail. D'Alsace. Grenoble. Je viens du nord de la France. Je suis né à Lyon. Je rêverais d'avoir un bureau avec vue sur la mer. Pourquoi pas, premier groupe digital mondial. J'imagine dans le monde entier. Premium. Jeune. Passion. Dynamique. Expertise. Innovation. Libre. Partage. Venez, on saura bien vous accueillir. Pure People. Pure Trend. Easy Voyage. Pure People. Loki. Laurie. Laurie. La chanteuse. Ah, la chanteuse. La meilleure amie. J'avais pas compris. Non. T'es sûre? Oui. T'es vraiment sûre? Après le théâtre, le cinéma, la chanson, je vais avoir tout fait.